Alors, ce qui me caractérise le mieux, je crois, c'est le terme jeune auteur. Parce que, à la fois, j'ai eu la chance de pouvoir arriver au bout d'un roman et de trouver un éditeur. Jeune auteur parce que j'ai écrit sur la jeunesse, sur l'adolescence, qui, à mon goût, est la seule période de la vie où on se pose les bonnes questions, quelque part. Avant, on est un enfant, fille ou garçon, mais on reste un enfant. Et ensuite, on devient un adulte avec tout ce que ça entraîne. Et l'adolescence, finalement, c'est la seule période où on apprend quelque chose, où on découvre les sens, le sentiment. Donc j'écris sur les jeunes, et pas pour les jeunes forcément, mais sur les jeunes. Voilà, alors j'ai écrit ce roman de rage un petit peu, à cause d'une déception amoureuse, comme ça arrive souvent. Et donc j'ai enlevé une lettre de mon roman, j'ai enlevé la lettre B. J'ai enlevé la lettre B parce qu'elle représentait toute cette fille qui m'avait plaqué lâchement. Et donc voilà, arrivé au bout du premier G, qui était extrêmement violent, je l'ai repris pour en faire quelque chose d'un peu plus sensé, comme une matière brute que l'on taille finalement. Et à la fin de cette œuvre, j'ai pas forcément cherché de suite à trouver un éditeur, mais le besoin d'être lu et d'être reconnu finalement l'emporte, quoi. Et on ne peut pas écrire un roman, balancer ses tripes sur la table, parce que finalement, c'est tout le paradoxe. On balance ses tripes sur la table et on ne veut pas être lu, quoi. Mais à un moment, on a envie que ça soit connu. Et je pense qu'on ne peut pas écrire en pensant qu'on va être lu au départ. Si on pense qu'on va être lu, on est paralysé, on n'écrit plus. Mais finalement, après, il faut trouver un éditeur. Et là, c'est une question de confiance, je pense. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer Stéphane Million, qui est finalement un éditeur un peu... qui cherche des jeunes auteurs. Donc ça tombait bien. Voilà. Il s'est fait un peu le support de mes demandes et puis il a apporté des réponses, voilà, aux angoisses du jeune auteur qui doit réécrire et qui finalement aurait tendance à tout réécrire. Donc on est arrivé à la fin d'un processus de discussion et finalement de rencontre à sortir un petit truc, quoi, qui à mon avis éclairera sur quelques périodes que l'on traverse dans la vie qui sont soit mouvementées, soit transparentes. Mais dans tous les cas, on se souvient de son adolescence comme quelque chose de marquant, avec nostalgie ou avec comment dire, avec dégoût, quoi. Voilà. Mais voilà, j'ai tenu à écrire sur l'adolescence, qui est à mon avis la seule période de la vie où on réfléchit un petit peu, quoi. Voilà.